مشترك صبورانيت بنصلح لكم ان اكزومبل دو ديفوار دو كونترول نيميرو 3 ان ماتيماتيك بور لي دوزيام اني سيونس دونك عندنا اكزرسيس ولاني كو سي ام اكزرسيس 2 على الالجبر اكزرسيس 3 على جيومتري بور شاك انونسي اون بروبوز 3 ريبونس ا ب اي سي اون سول اي كوريكت لاكيل اوكين جوستيفيكاسيون ديموندي Une réponse correcte vaut 1 point, une réponse fausse ou l'absence de réponse vaut 0 point. Parmi les fonctions suivantes, déterminez celle qui est un polynôme. Donc, fonction loulénie, donc f de r dans r, x3 plus 4, valeur absolue de x. Fonction thénie 3x6 moins 2x plus 1 sur x carré plus 1. Fonction l'chranie 4 racine de 5. Alors, elle est fonction constante, elle est bien sûr rationnelle, ou elle est le polynôme. Donc, réponse C, elle est la réponse A. 2, soit P de x égale x3 plus 1 au carré, Q de x égale x3 plus 1 demi de x au carré plus racine de 3x moins 1, le degré de P fois Q est égal à 9, 8 ou elle 6. Bien sûr, donc le P ou 2 degré 3 fois 2, c'est-à-dire 6, ou le Q de degré 3. Alors, donc le P fois Q, c'est degré de P fois Q. Bien sûr, donc degré de P fois Q, on a x6, on a x3, donc x6 fois x3, c'est-à-dire 6 plus 3, elle est 9. Donc la réponse C est la réponse kif-kif, l'année A. Okay, donc l'année A ou l'année A. Dans la figure, c'est contre ABCD est un losange de centre O. ABCD. L'image de la droite AB par la translation du vecteur AC. Donc, l'image de AB par la translation du vecteur AC. Et bien sûr, l'année DC. Voilà, donc c'est la droite DC. Donc, la réponse C est la réponse B. Parmi les applications suivantes, déterminez celle qui envoie la droite BC sur la droite DC. Donc, BC sur DC. Est-ce que la symétrie centrale SO, la symétrie orthogonale AC, ou elle est la translation, donc BD. Bien sûr, l'application qui envoie la droite BC, ADC. Je vais vous donner une translation. Donc, voilà. Donc, il y a une symétrie centrale ou une symétrie orthogonale. Donc, elle est une symétrie orthogonale de AC. Voilà. Donc, l'image de C, c'est C et l'image de B, c'est D. Donc, voilà. Il y a, par exemple, une symétrie centrale. Donc, l'image de B, il y a D, mais l'image de C, il y a A. Voilà. Donc, la réponse C est la réponse B. Voilà. Et on va passer à l'exercice 2, un exercice algèbre. Donc, l'exercice, c'est un exercice à polynôme. Donc, soit les polynômes définis par P de x égale x3 moins 6x carré plus 11x moins 6 et Q de x égale x au carré plus x moins 6. Montrer que 2 est une racine de P, factoriser P, résoudre dans R P de X égale à 0, soit la fonction rationnelle F de X égale à P de X sur Q de X, déterminer le domaine de définition de F, simplifier l'expression de F de X, résoudre dans R l'inéquation F de X supérieure ou égale à 0. Voilà, donc il y a l'exercice et on va corriger ensemble. Donc, on a le polynôme maternel ou l'énigme. Il y aura donc fp de x égale x3 moins 6x au carré plus 11x moins 6. Donc, la question, c'est montrer que 2 est une racine de p de x. Donc, c'est-à-dire, on va remplacer x par 2. Donc, et on va calculer p de 2 qui est égal à 2 à la puissance 3 moins 6 fois 2 au carré plus 11 fois 2 moins 6. Donc, l'année, je peux starter 8 moins 6 fois 4 plus 22 moins 6. Donc, égal à 8 moins 6 fois 4, donc 24 plus 22 moins 6. Égal. Donc, l'année, 8 moins 24 plus starting moins 16 plus 22 moins 6, bien sûr, plus 16, donc qui est égal à 0. Alors, 2 est une racine
de P de x. Voilà. Donc, l'année, question simple, source de notes, madabikum, l'année, tout le monde a dit كامل ردوا بالكم من الأسئلة هذوما فوالا خاطر لهنا تغلطوا في السيني راهم مشاتكم غلط الكل فاكتوريزي الوغ بي دو اكس دونك بما انو دو اي اون سوليسيون الوغ بي دو اكس ايكال اكس موان دو فوا ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي راهو اذا كان ما لقيتوش دو اون سوليسيون اخدموا بها في الكيستيون اوكي دونك لهنا ديفلوبمون باش تعطيني ا اكس 3 بلس بي اكس كاري بلس سي اكس موان 2 ا اكس كاري moins 2bx moins 2c égale. Donc ax3 plus x au carré fois b moins 2a plus x fois c moins 2b moins 2c. Donc ici, il y a bide x3 moins 6x au carré plus 11x moins 6. Ok, on a un polynôme l'ouléni interne. Donc par identification, a égale à 1, b moins 2a égale à moins 6, c moins 2b égale à 11, et 2c égale à 6. Voilà, donc par identification. Donc, l'année, je t'entends, c égale à 6 sur 2, donc 3. Bien sûr, a égale à 1, donc, ou le b égale à moins 6 plus 2a, c'est-à-dire moins 6 plus 2 égale à moins 4. On vérifie, il y a 3 moins 2 fois moins 4, donc égale à 3 plus 8, qui est égal à 11, bien sûr, notre travail est vrai. Alors, P de x égale x moins 2 fois ax carré, donc x au carré, moins 4x plus 3. Bien sûr, on va les factoriser, mais je serai le hacker. Donc, on a a plus b plus c égale à 0. Donc, x au carré moins 4x plus 3 égale à 0. Donc, l'année on a a plus b plus c égale à 0. Voilà, 1 moins 4 plus 3 égale à 0. Alors, les solutions, je n'en puis qu'on l'année. Donc, elle est qui est 1. Je suis 1 moins 4 plus 3. Donc, elle est 0. Donc, x1 égale à 1. Ok. Voilà. Qui est qui est 3. Donc, l'année, je suis 9. Moins 4 fois 3, c'est-à-dire 9 moins 12, donc moins 3 plus 3 égale à 0. Et x2 égale à c sur a, qui est égal à 3. Donc, je vous fais le résumé, les deux solutions. Donc, on a 1 ou on a 3. Donc, il y a x moins 2 fois, donc, on a 1 ou 3, donc, ou a bien sûr 1, donc x moins 1 fois x moins 3. Voilà, donc ici, on a une factorisation d'une autre polynôme P de x. Résoudre alors P de x égale à 0. Donc, c'est-à-dire x moins 2 égale à 0. Donc, bien sûr, x égale à 2. Ou x moins 1 égale à 0. Alors, x égale à 1. Ou x moins 3 égale à 0. Alors, x égale à 3. Donc, S dans R égale à 1, 2, 3. Voilà. Donc, question 2. Soit la fonction rationnelle f de x est égale à p de x sur q de x. Déterminer le domaine de définition. Maintenant, il faut une q de x égale à x au carré plus x moins 6. Donc, il faut que q de x soit différent de 0. Maintenant, x au carré plus x moins 6 différent de 0. On va chercher les solutions. Bien sûr, on va calculer delta. Donc, delta égale à b au carré. Moins 4 fois moins 6 fois 1. Donc, égal à 1. L'année, c'est l'arbre, donc plus 24, qui est égal à 25. Elle est positive. On a deux solutions. L'ipstartine, une queue de x égale à 0. Et du coup, donc, x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. L'arbre, l'idée, mais tu fais les formules. Quand tu fais devoir, il y a comment je dis. Donc, moins 1 moins racine de 25 sur 2, qui est égal à moins 1 moins 5 sur 2, donc moins 6 sur 2 égale à moins 3, et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a égale à moins 1 plus 5 sur 2, donc 4 sur 2 égale à 2. Alors, il faut que q de x égale à 0, que soit q de x égale à 0 pour x égale à moins 3 égale à 2, donc le domaine de définition de notre fonction, c'est r privé de moins 3 et de 2. Voilà. Donc,
B, simplifier l'expression de f de x. Donc, احنا قلنا انه q de x égale à x au carré plus x moins 6. On va les factorer. Donc, je vais t'attirer l'année, je vais t'attirer x plus 3 fois x moins 2. Donc, x moins x1 fois x moins x2. Donc, finalement, f de x égale p de x sur q de x. Donc, c'est-à-dire x moins 2, x moins 1, x moins 3 sur x plus 3 fois x moins 2, on va simplifier par x moins 2. Finalement, f de x égale à x moins 1 fois x moins 3 sur x plus 3. Voilà. Donc, résoudre dans R f de x supérieur ou égal à 0. On a voulu nul f de x, il y a x moins 1, x moins 3, x plus 3. Il y a donc une fonction interne. Donc, juste dernière, une minute. On va tracer le tableau du signe de cette fonction pour déterminer la résolution de l'inéquation. Donc, f de x égale x moins 1 fois x moins 3 sur x plus 3. Donc, x moins 1, ça nullifie 1. X moins 3, ça nullifie 3. X plus 3 s'annule en moins 3. Notre fonction f de x égale à 0 ou t, je fais le 1 ou fais 3. Mais attention, on a un domaine de définition privé de moins 3 et privé de 2. Maintenant, sous chaque 2 est dit rahi mehish derle fait le domaine de définition. Ok, voilà juste les nefs, je suis un peu à pointer. Donc, la fonction terne s'annule fil 1 ou fil 3, donc l'énergie a dit 0, l'énergie a 0. Voilà. Ok, on coupe normalement notre traçage interne et on va déterminer les signes. X moins 1, donc le 1, elle est négative, ou le 1, elle est positive. X moins 3, le 3, donc elle est négative, ou le 3, elle est positive. X plus 3, donc s'annule en moins 3, le moins 3, elle est négative. Ou bas de le moins 3, donc elle est positive. Notre fonction, on a 3 moins puisqu'on est négatif, on a 2 moins puisqu'on est positif. Bien sûr, l'année positif, négatif, positif puisqu'on est négatif, ou l'année positif. F de x supérieur ou égal à 0, donc un domaine head ou domaine head. Donc s dans r égale moins 3, 1, union, donc 3, plus l'infini. Voilà. Donc 3 m'a pas l'acniche, mais le moins 3, les images du coup m'ajoute à S dans R, mais les images du coup m'ajoute à le domaine de définition, c'est pharam. Ok? On va corriger l'exercice. Le chenani fait devoir m'tiana ou l'hua un exercice géométrie. Donc, construire un parallélogramme ABCD et le point O tel que AO égale à moins N demi AB. Montrer que B est l'image de A par le mot TCH de centre O et de rapport 3. Déterminer l'image de la droite AD par le mot TCH. Les droites OC et AD se coupent en E. Déterminer l'image de E par H et déduire que AD égale à 3 AE. Soit M un point du plan, vérifiant à M égale à AE et imprime son image par H. Déterminer le lieu des points décrits par M et en déduire le lieu des points décrits par M'. Voilà, donc là, on a cette tablette. On va donner corriger ensemble. Donc, les neiges noires, on va construire un parallélogramme ABCD, donc un parallélogramme terne. Donc, bien sûr, le point theta bl compas. Voilà. Voilà. Donc, c'est A, B, C, D. Et O, donc, tel que AO égale à moins 1 demi AB. Donc, on a AB, je vais le moins 1 demi tout simplement. Donc, voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5 cm. Donc, il y a le milieu de قلنا انه AO égale à moins 1 demi de AB. Donc, il y a le 1 demi de AB. Ou il y a le moins 1 demi de AB. Donc, le O, puisqu'on aura dit que le point O. Donc, il y a le point O. Montrer que B
Et l'image de A par le mot DCH de centre O et de rapport 3. Donc, nous avons AO égale moins 1 demi AB. Ok? Donc, AO égale moins 1 demi de AO moins 1 demi de OB. J'ai dit AB, AB est AO plus OB. Voilà. Donc, l'année 1 demi de OB égale 3 demi de OA. Analhne OA égale à moins 1 demi de OA moins 1 demi de OB. C'est-à-dire, AO, donc l'année, Khalita Fiblasata, ou je peux parler à 1 demi de AO. Okay? Donc, je peux partir 3 demi de AO égale à moins 1 demi de OB. Qui d'accord à la histine, moi, je dois dire 1 demi de OB égale à 3 demi de OA. Alors, OB égale 3 OA, tout simplement. Donc, dire, donc, ça ne donne que A et donc, ou bien B et l'image de A par le mot TCH de centre O et de rapport B. Donc, l'année et de rapport 3. Donc, B est l'image de A par le mot TCH H de centre O et de rapport 3. Voilà. Déterminer l'image de la droite AD par le mot TCI H, mot TCI de centre O et de rapport 3. Donc, je n'ai pas l'image de AD, bien sûr, puisque BC. Donc, l'image de AD et BC, on va démontrer. Donc, je vais vous montrer. H de AD est la droite parallèle à AD passant par l'image de A. Donc, passant H de A, il y a bien sûr B. Alors, la droite parallèle à AD passant par B, il y a BC, donc H de A égale BC. H de AD égale BC. Voilà, la droite BC. Donc, la question, les barres, les droites OC et AD coupent en E, donc OC. Donc, et AD, il y a le point E, l'année. Alors, la question, c'est déterminer l'image de E par H et déduire que AD égale 3AE. Voilà. Donc, déjà, bien, nous, AD égale 3AE. On va déterminer l'image de E par le mot TCH. Donc, normalement, je n'ai plus que l'image de E, plus que C. Donc, question 3. AE appartient à AD. Inter, OC, c'est l'intersection entre AD et OC. Donc, H de E appartient, donc, l'H de AD, inter, bien sûr, H de OC. OK? Voilà, H de H de AD, lié BC, et, pardon, appartient à l'H de AD, inter, OC. Voilà. Donc, change tout l'année. H de E appartient à BC inter OC. Donc, je n'ai plus qu'un H de E. C, C, voilà. Et comment déterminer que AD égale à 3 AE? On a un AD égale à BC. OK? Ou le BC est BO plus OC, j'ai dit le point O radical. Donc, le BO est 3AO, déjà bien, ou le OC est 3OE. Ok, l'image de C, c'est E. Alors, OC est 3OE, donc l'année, voilà, donc, bien sûr, 3OE, ou on a l'année 3AE, j'ai atteint 3AE. Voilà, donc, il y a l'AD. Reste 3 en facteur, AO plus OE, puis AE, donc AD égale à 3AE.
Soit M un point du plan, vérifions que AM égale à AE. Donc AM égale à AE. L'henné et imprime son image par H. Déterminer le lieu des points décrits par M et déduire les lieux du point décrit par M'. Donc l'henné, AM égale à AE. Donc M, c'est le cercle de centre A et de rayon, l'henné, bien sûr, le point de rayon AE. Alors, c'est le rayon AE égale à AM. Donc, AM décrit le cercle de centre A et de rayon AE. Voilà, donc, je trouve que c'est le cercle interne. Et bien sûr, je trouve le point où je radical. Et là, il y a un point de M, le cercle, l'henné vérifie que AM égale à AE. Et bien sûr, l'image m'taha imprime, je n'en bouge bien sûr, imprime, il y a H de M. Donc, imprime décrit le cercle C', image de C par le mot ici H. Donc, bien sûr, l'image de A est B. Donc, centre de C, bien sûr, puis comme B. Et passons par C. Alors, H de E égale C. Voilà. Donc, le mental est interne à l'année, à devoir, mais je suis obligé de voir oralement. Donc, je suis en l'année, on a AM égale à E. Alors, M décrit donc le cercle C de centre A et passant par le point E. Donc, imprime. C'est l'image de M par le mot ici H. Donc, M' décrit le donc, cercle C' image de C. Alors, C' de centre B et passant par H de E, il y a C. Voilà, donc, ok, on peut nous terminer. Un autre exemple de devoir de contrôle numéro 3, donc en mathématiques pour les deuxièmes années sciences. Quand vous avez des questions, vous pouvez vous dire que vous avez des questions.